Cette saison 2 démarre avec deux épisodes, Gudrun Götzsch et Sébastien Anger, qui reconnectent aux origines, à la graine d'intention de l'EAV, qui a commencé à pousser pendant mon voyage. J'ai réalisé que voyager et œuvrer dans les fermes du monde est la meilleure manière d'apprendre l'agroécologie. À l'aube du printemps 2023, publier l'interview de Gudrun est un symbole puissant dans cette période si spéciale en route vers la fin de l'école d'agroécologie voyageuse et de l'association Les Agronomes en août. C'est chez Gudrun que j'ai commencé à pratiquer l'agroforesterie synthropique en 2018 pendant mon tour du monde. Je suis émue que Marine, notre directrice des partenariats, passionnée par l'agroécologie et les plantes médicinales et qui est autant brésilienne dans son cœur que française, ait pu l'interviewer dans sa ferme et en français. Ce podcast a une saveur très spéciale, celle d'un podcast en français fortement teinté de l'accent brésilien, avec une savoureuse lenteur que vous allez expérimenter. Marine et Gudrun échangent sur les étapes qui ont amené Gudrun à créer Selva e Paz, sa ferme, et son labo de transformation des produits agroforestiers, et Da Rosa a Mesa, une école de transformation des aliments agroécologiques en ligne. Elle raconte l'évolution de son projet, sa relation à la maman terre et à la création d'un projet, sa place en tant que femme dans le milieu agricole. Vous y découvrirez aussi la vision de l'éco-anxiété de Gudrun, comment elle a appris l'agroforesterie et les conseils qu'elle donne aux jeunes. Merci beaucoup Gudrun d'avoir accepté de faire entendre ta voix aux auditeurs de ce podcast, d'avoir fait l'effort de parler français. Je te sens pleinement épanouie dans ce que tu fais, et ça transparaît dans ta communication et sur les réseaux sociaux. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et c'est avec une immense joie que je vous partage chaque mois, 2 à 4 épisodes, les fruits de ces rencontres qui me nourrissent tant pour développer l'agroécologie la plus juste pour vous, qu'elle soit dans votre cœur ou dans vos champs. Merci de partager abondamment ce podcast pour nourrir votre écosystème, il en a besoin. Belle écoute. Alors, Gudrun, est-ce que tu pourrais commencer par juste te présenter ? Bon, oui. Alors, je m'appelle Gudrun, je suis née ici au Brésil. J'en habitais ici jusqu'à 12 ans. J'en avais 12 ans. Après, je suis allée en Suisse pour étudier à l'école. Et jusqu'à mes 27 années, j'étais en Suisse. En fait, 2 ans, j'étais en Angleterre, dans un internat. Mm-hmm. Et bon, en fait, j'ai fait un apprentissage de commerce. Et puis après, la formation des spécialistes de la douane. Ok. Et en 2011, je suis rentrée au Brésil et ça fait 11 ans maintenant, oui, que je suis retournée, que je suis ici. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment tu es passée d'école de commerce et douane à t'installer ici et créer le Passe Selva ici? Bon, je suis née ici, non? Donc, ouais. Je suis grandie dans la forêt. Mm-hmm. Et voilà, je crois que c'est ça, non? C'est les premières années dans la ville sont très importantes pour beaucoup de choses. C'était pas que j'ai dit non, je dois rentrer au Brésil parce que c'était quelque chose qui acontecé. qui est apparu. C'est le fait de te lancer dans le fait de cultiver
même si tu travailles plus la transformation que la culture en soi, c'est quand même un métier agricole. Enfin, ton activité est agricole. C'est directement connecté, non, ouais, avec l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu t'étais déjà dit, un jour je serai agricultrice? Bon, je pensais comme ça, qu'un jour je rentre au Brésil, je vais travailler avec l'agriculture, la transformation des fruits de l'agriculture et tourisme. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. Trop bien. Après que j'ai eu Sophia. Ouais. Ma fille, non? Je crois que c'était très, très important pour ma décision de rester ici. Parce que je suis grandie dans l'agriculture, avec l'agriculture, et s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup me rappeler, c'est quand j'étais enfant. Mmh. Et bon, pour moi, c'est très important que mes filles puissent grandir dans un ambiant plus ou moins libre. Ouais. Ouais. Et oui, c'est ça que m'a fait rester ici. Ok. Et bon, jusqu'à la naissance de Sophia, je travaillais plus avec l'agriculture directement, mais après, avec le bébé, ça devient un peu plus difficile. Ouais. Ouais. Et bon, mon père m'a aidé à construire le sécheur de bananes, et oui, ça fait 9 ans maintenant, oui, que j'ai recommencé à sécher des bananes, parce que quand j'étais petite, mes parents, ma mère et mes sœurs, ils ont séché des bananes aussi, donc ça, c'est ça qui a donné d'argent à mes parents pour vivre, non? D'accord. Et donc, oui, j'ai recommencé parce que ça, c'était quelque chose très important dans mon enfance. Ouais. Et voilà. Trop bien. Ok. Alors, peut-être on va revenir après sur ton enfance, en tout cas sur ce que ça a été pour toi, justement, de vivre dans cet environnement-là, et c'est quoi ton lien avec l'agriculture synthropique et tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter ici le projet, ton projet, en quoi ça consiste et en quoi consiste ton travail? Ce sont deux projets. C'est le projet plus vieux, c'est le Survey Pies, qui est une entreprise que j'ai fondée, ouais, en 2015, et c'est quand j'ai commencé à faire les barres de cacao et bananes. Ok. Bananes séchées. Et bon, c'est aujourd'hui ma passion principale. Et aujourd'hui, on a 4 barres différentes. C'est la barre seulement des plantains séchés, puis cacao et banane, cacao, coco et banane, et coupoisseau et banane. Donc, ce sont 4 saveurs. Et maintenant, bon, j'ai fabriqué basiquement dans ma maison. Et maintenant, on est en train de construire une fabrique pour les bars. Ok. Qu'on a des plans de monter 10 fois la capacité qu'on avait ici. C'est un partenariat.
partenariat, c'est un mot nouveau pour moi, partenariat avec Viva Floresta, c'est une autre entreprise ici au Brésil qui travaille beaucoup avec la distribution des divers produits. Et ils sont en train de financer la... Et puis après, ils vont être des socios. D'accord. Des partenaires. Des partenaires. des Survey Pies. OK. Et ils aussi vont actuer comme des distributeurs des bars dans tout le Brésil. Donc, je vais travailler moins avec vente et puis avec la production, qui pour moi c'est bon parce que c'est une chose à moins de me préoccuper. Et bon, on est inséré dans une rede de agroecologie, un réseau d'agroecologie ici en Bahia. Et au Brésil, on a la certification participative des bio. Donc, on a cette réseau d'agroécologie ici à Bahia pour faire cette certification. Et pratiquement toute la matière prime, la matière première. un peu est produit ici, mais c'est peut-être 20%, 10 à 20%, et le reste, j'achète des agriculteurs qui sont insérés dans ce réseau d'agroécologie. Ouais, génial. Donc, les matières premières, en fait, c'est ce que tu disais, cacao, coupoissou, banane, plantain. Et coco. La seule matière, c'est le coco qui n'est pas Dans le réseau. Dans le réseau. Ok. C'est le reste. Ouais. C'est dans le réseau. Et c'est vraiment, ce sont que ces ingrédients. On n'utilise pas des conservateurs. Et pas de sucre. Pas de sucre. Ah. Rien de sucre, ce sont les bananes. Ouais. Peu d'ingrédients. Et voilà. Trop bien. Donc ça, c'est le premier projet. Ça, c'est le premier projet. Ça, c'est ça, ouais. Et après Survey Pies. Survey Pies. Et il y a aussi l'autre projet, qui est d'arroz à mesa, qui est un projet Bon, aujourd'hui, on l'a transformé dans une école. Une école de cuisine et transformation des aliments, où j'enseigne ma méthode de cuisine et je travaille beaucoup avec des aliments qu'on a ici, non, des bananes, des maniocs, le maïs, la jackfruit, et bon, des autres choses, mais tout des choses simples. Et tout c'est simple, c'est vite à faire, ou sinon c'est quelque chose que tu peux faire en quantité et pour utiliser pendant les mois. D'accord. Ouais. Voilà. Et cette école, elle est online, oui, c'est oui, ça. C'est ça. C'est un projet online. Okay. Et maintenant, on est en train de traduire en espagnol aussi. Oh, parce que l'Amérique latine, c'est plus ou moins les mêmes choses qui sont cultivées, et aussi. Ouais. Dans la culture, non, on utilise beaucoup la manioc, la banane, voilà. Donc, pour moi, je crois que Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour vivre dans chaque lieu du monde. Donc, pour moi, ça fait pas du sens
de manger beaucoup du blé ici, parce que c'est pas cultivé ici, donc... Bien sûr. Et ici, Dieu a donné particulièrement beaucoup de choses à manger, au Brésil. Il y a des pays où il y a moins de... Enfin, il y a des climats où il y a moins d'abondance de la nature, quoi. Oui. Oui, mais normalement, ces climats, c'est plus facile de garder. Mmh. Où il est très froid ou très sèche, c'est plus facile de garder les choses. Ouais. Ici, avec l'humidité, c'est pas si facile. Presque impossible. Oui. Ouais. Ok, trop bien. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler de... en fait, dans ta trajectoire, j'aimerais bien que tu nous parles de ta relation à la terre. Pour chaque personne, on a une relation différente à c'est quoi la terre et c'est quoi cultiver la terre, etc. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la terre en fait ? Bon, la terre, ça serait la maman. C'est d'où vient la nourriture, oui, ce qu'on mange. C'est toujours la maman, non ? Qui nourrit le bébé, et voilà, pour moi, c'est pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, on dit la maman terre, non? Ouais. C'est basiquement ça, et je suis sûre que la terre, elle dépend pas des humains pour survivre. C'est nous, comme espèce humaine, veut survivre. Et il faut changer un peu ce qu'on fait avec la terre, parce que voilà, si on continue comme ça, un jour la terre elle s'est transformée en un habitable pour nous. Dans cette vision, en fait, c'est intéressant parce que du coup pour toi c'est comme une entité féminine. Enfin, en tout cas, c'est la mère, quoi. Il y a un lien avec les femmes. Et c'est particulier aussi d'être une agricultrice femme, même s'il y en a beaucoup, au final, partout sur la terre. Même, c'était assez traditionnel avant d'être... Enfin, que les terres sont cultivées par les femmes dans beaucoup de traditions, de cultures. Mais pour toi, dans ta trajectoire ici au Brésil, est-ce que c'est une dimension importante? Le fait d'être une femme agricultrice, est-ce que pour toi ça a eu, à ton avis, des incidences sur ton parcours, ta trajectoire, le fait d'être une femme? Je sais pas, bon, pour moi ça fait pas de différence, parce que je crois que bon, c'est ça que je vis. Et c'est ça que je fais, voilà, ça, pour moi. Moi, j'ai pas de difficultés. Il y a des personnes qui réclament la difficulté parce qu'on est femme dans l'agriculture, voilà, et les hommes, ils ne nous respectent pas. Et je peux pas dire ça parce que les hommes, ils me respectent bien. J'ai pas de problème. Mais je crois que ça, c'est en lien avec le fait que je suis née ici, je suis grandie avec l'agriculture, je fais beaucoup de choses. Je travaille avec la motosserre. Comment on dit en français? La tronçonneuse. La tronçonneuse. Ouais, la tronçonneuse. Il y a un autre nom, mais je fais tout le travail qu'il faut faire, non, dans l'agriculture ici, et voilà, si tu sais le faire, les hommes te respectent. Ouais. Si tu sais pas, voilà, ils vont te dire non, ça c'est comme ça. Donc si tu sais ce que tu veux et tu sais faire, c'est pas de problème, hein. Ok. Au moins pour moi, ça n'a jamais été un problème pour moi. Ok. Et du coup, tout ça, t'as appris dans ton enfance? T'as jamais fait de cours d'agriculture? Jamais. T'as appris avec tes parents?
que j'ai appris avec mon père, oui, beaucoup de choses avec lui, des autres choses avec d'autres personnes, mais j'ai pas fait de cours, j'ai pas fait rien, j'ai pas fait d'école. Et comme mon père, il travaille beaucoup avec des principes, c'est ça, une fois que tu compris les principes, c'est plus une question d'observation. Que d'action, de compétences, d'apprendre la théorie, c'est plus ça, c'est ouais. Comprendre ce qu'il y a besoin, voilà. Ouais. Et alors justement ces grands principes, donc c'est les principes de l'agriculture synthropique, ou on peut les appeler autrement, je sais pas ce que tu en penses. Moi je parle plus d'agroforêt. Ouais, agroforesterie. Agroforesterie, parce que le terme agriculture synthropique, c'est de mon père, et moi, je dis rien. C'est ça. Ouais. Parce que j'ai déjà eu des problèmes, et bon. Ouais, ouais. Donc c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Et pour toi, c'est quoi alors l'agroforesterie? Enfin, comment tu l'as apprise et comment tu la pratiques? Pour moi, c'est la cultivation des espèces différentes, respectant chaque stratification. Chaque strat. Voilà, c'est important d'avoir des aliments pour les plantes, non? Pas seulement pour nous, mais aussi pour les plantes. Donc, il faut planter aussi pour tailler, pour avoir la nourriture, la nutrition pour la terre, et d'avoir aussi biodiversité, et aussi de respecter le biome. Ah oui, le biotope. Ouais, de chaque plante. Ouais. Parce que ça fait pas du sens si je plantais des pommes ici. Ouais, bien sûr. Donc c'est plus intelligent de planter des bananes. Ouais. Du cacao, mais voilà, c'est ça. Complètement. Et quand tu étais petite, tu t'as compris ça, parce que j'imagine que ton père, il te montrait, ou tu travaillais avec lui, ou comment est-ce que tu as appris en fait? Il t'expliquait? Bon, bien sûr, il expliquait quelque chose, mais beaucoup avec l'observation de ce qu'il faisait. Mais je crois que la théorie et tout ça, je l'ai appris quand je suis retournée au Brésil, après le 27. Parce que sans beaucoup d'informations, et aussi mon père, il a appris beaucoup pendant ces temps. C'est presque 40 ans qu'il est ici au Brésil, non? C'est avec l'observation, il a créé ce qu'il appelle aujourd'hui l'agriculture synthropique, non? C'est pas quelque chose qu'il avait dans sa tête, c'est comme ça, non? Il a observé, il a appris avec la nature. Voilà, c'est ça, non? C'est pas... qu'il avait un livre, qu'il a lu et il l'a transformé, non? C'est des années et des années d'expérience. D'expérience et d'observation, plus que autre. Et bon, aujourd'hui, je connais beaucoup, mais il y a beaucoup de gens... Non, pour l'agriculture spécifiquement, je suis pas spécialiste, hein. c'est pas mon enfoque. Ouais. Et donc c'est ça. Moi, je fais l'autre, non, c'est la transformation, que ça fait part de l'agroforêt. Ouais. Mais c'est pas directement planter, non, être dans l'agriculture, c'est une chose importante pour fermer le cycle
financement, mm-hmm. et aussi pour avoir sustainabilité. Mm-hmm. Donc, complètement. Je crois que c'est, ça va ensemble avec l'agriculture, mais pas nécessairement. Ouais. L'agriculture. Ouais, ouais, ouais. Parce que la Saint-Tropie, c'est, alors on va pas parler de la Saint-Tropie, mais l'agroforesterie, c'est aussi une philosophie. Enfin, quelque part, c'est aussi une manière de voir les choses, le monde, de oui, la coopération. De... Oui, oui, il y a plein de principes comme ça sur la partie plus humaine, quoi. Enfin, en tout cas, ça nous... la manière dont les végétaux fonctionnent nous apprennent aussi à nous, humains. Et du coup, j'imagine que, enfin, même toute cette partie de transformation des plantes, ça va aussi un peu dans cette ligne-là. De ces principes-là de l'agroforesterie. Oui, pour moi, par exemple, ça n'a pas de sens d'utiliser, par exemple, des protéines isolées de quelque chose pour faire une barre de protéines. Parce que c'est pas le produit en nature, non? C'est, tu prends quelque chose d'un aliment. Mm-hmm. Probablement ça s'était fait dans un procès chimique. Et voilà, pour moi ça fait pas du sens. Hein. Le moins de transformations, le mieux. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je pense comme ça. Bon dia. Ah oui. Trop bien. Est-ce que en France, je sais pas comment, au Brésil j'ai l'impression que c'est moins fort, mais en France, les nouvelles générations, ils vivent beaucoup l'éco-anxiété. Nous on appelle ça en français l'éco-anxiété, c'est le fait d'être très préoccupé par l'avenir de la planète, par le changement climatique, par la destruction des écosystèmes, l'action des grandes entreprises, etc. Et donc nous, en France, on a beaucoup de jeunes qui sont dans des cas de dépression très forte, voire même des suicides, des tout jeunes, parce qu'ils sentent que la planète, la nature est en crise et que nous, on est en train de détruire la planète, etc. Et donc, ça crée un vrai phénomène. Je crois que c'est plus une question de grandir loin du contact avec la nature que en fait d'être préoccupé avec je crois qu'on quand on grandit dans un appartement avec la télévision, avec le téléphone, avec tout carré et qu'on entend des informations horribles. Oui, on n'a pas la connexion avec la nature. Mm-hmm. Donc, ça te distorce. Ouais. C'est ça. Si on n'a pas la connexion avec la terre, avec l'agriculture, avec ça qu'on consomme, qu'on mange tout, mm-hmm. on fait des monstres. On crée des monstres mentaux. Oui, on crée des monstres mentaux, voilà. Parce que si tu as le contact avec la terre, avec l'agriculture, avec ce que tu manges, en fait, d'où ça arrive, c'est différent. Bon dia. C'est complètement différent. Mm-hmm. C'est la question du sens. Enfin, tout de suite, il y a un sens... C'est simple, en fait. Oui. Moi... C'est ça que je t'ai dit, non? Moi, je ne suis pas beaucoup préoccupée parce que la Terre, elle est en train d'être détruite, et voilà. Si on arrive au point de détruire tellement, comment est-ce qu'on dit, tantôt? Oui, tellement. Tellement la Terre, qu'on ne peut plus vivre, nous, comme humains, mm-hmm. on s'extermine, ouais. Mais pas la Terre. Elle est plus grande que nous. Elle est plus forte que nous. Elle et se du récupère. Coup, c'est pas préoccupant. Elle se récupère. Pour moi, c'est pas préoccupant, voilà. Mm. C'est ça. C'est une question de nous, comme espèce humaine, de changer. Mais me suicider pour ça, non.
je crois beaucoup que c'est un cycle, non? On vit, on est mort, et voilà, et après on renaît encore, et ça continue, l'âme, elle continue, voilà. C'est, pour moi, la mort, elle n'est pas la fin. On est ici pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe. Mais... Ouais, en fait, moi, j'ai pas peur de la mort. Sur toutes ces réflexions-là sur la vie, la mort et tout ça, j'imagine que c'est un truc très simple de toi, ta relation au vivant. Mais est-ce qu'il y a aussi des personnes ou des penseurs ou des penseuses ou des rencontres, pas forcément des penseurs et des penseuses, mais des rencontres, des gens qui font que ça te nourrit aussi à ce niveau-là, dans ta relation au vivant, au... des professeurs, quoi, de la vie, c'est qui? Les professeurs de Gudrun, c'est qui? Bon, ça peut être tes filles, ça peut être, je sais pas. Hein. C'est tout le monde avec qui je me relationne, non? C'est toujours un échange. Mais je sais pas, j'ai pas un gourou. Ouais. Je suis. Comment est-ce qu'on dit, Félice? Heureuse. Heureuse d'être fille de mon père et de ma mère. Ma mère, elle était une femme spectaculaire. Mm-hmm. Mais c'est ça, non? C'est. Mm-hmm. Je crois qu'on a à apprendre avec tout le monde, non? On enseigne, on apprend aussi. Mais j'ai pas de gourou, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un livre qui pour moi était très important. Quelques années après, j'ai lu, c'est l'écrivain, c'est Neil Donald Walsh, c'est Conversando con Deus. Ouais, en parlant avec Dieu. Oui, en parlant avec Dieu. C'est une trilogie. Et en fait, c'est beaucoup avec la connaissance de soi. Et il y avait beaucoup de choses que j'ai lues là, que pour moi, c'était déjà une vérité, une chose que j'avais déjà dans moi. Et c'était seulement pour dire, ah oui, ça fait du sens, non? Comment ce qu'on dit, on pense, on fait, ça influence directement dans ce qu'on vit, non? Mm-hmm. En fait, nous sommes des créateurs de notre réalité. Le problème est que la plupart est inconscient d'être un créateur de la réalité. Et en fait, si on commence à changer, non, ce qu'on dit, la forme qu'on pense et tout ça, être plus positive, être plus conscient, en fait, sur ça qu'on fait, on pense, on dit. Ça change, ça change vraiment. Non? Si tu es pessimiste, tu te dis toujours ah, j'ai pas d'argent, je suis à la fin, j'ai pas d'énergie, voilà, c'est ça que tu vas vivre. Tu affirmes que tu n'as pas, voilà, tu n'en auras pas. Tu crées, tu es en train de créer ta réalité, non? Ton réalité. Et je crois que si on se transforme dans des gens plus conscients sur ce fait qu'on est en train de créer la réalité. Mm-hmm. Voilà, ça change. Change beaucoup. Est-ce que tu as un message pour nos jeunes étudiants d'agroécologie en France, qui sont des jeunes qui sont très... Ils ont envie de régénérer le vivant et ils sont très... passionnés, chacun dans des domaines différents. Il y en a qui veulent travailler la laine, les fleurs, le maraîchage, les légumes, les fruitiers. Enfin, ils sont chacun dans des... Et ils sont en train de découvrir aussi l'agroforesterie. Pour certains, ils connaissaient déjà. Je crois que le plus important est que ça soit quelque chose qu'ils ont le plaisir de faire. Si ça te fait plaisir, voilà, c'est ça, non? Ça te fait plaisir et fait bien
au monde, tout le monde, voilà. Ouais, c'est simple. C'est simple. Ouais. Trop bien. Merci Gudrun. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, anda não, então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, você é mesmo louco, beijo do lado errado, a boca do outro lado. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.